C'est en voyant que Laurent Wauquiez assumait totalement ses propos polémiques que Dominique Bussereau a décidé de quitter définitivement les Républicains. Dans un tweet posté hier soir, le président de la Charente-Maritime fustige les errements du patron des Républicains et sa violence verbale. Attaquer aussi violemment l'ancien président Sarkozy, Valérie Pécresse, Alain Juppé et plein d'autres encore. Et ensuite l'assumer. Il aurait dit, je m'excuse, j'ai fait l'imbécile, j'ai parlé trop vite, j'étais avec des jeunes, on a un peu chahuté. Très bien, c'était terminé. Mais là j'assume et je vais continuer. Donc moi, dans ces conditions-là, je ne continue pas. Moins de 2 heures après ce tweet, c'est au tour de la députée européenne Elisabeth Morin-Chartier d'annoncer via le même réseau social sa démission du parti. Elle explique ne pas se retrouver dans la spirale dans laquelle s'engagent les Républicains, tout en précisant qu'elle reste au Parti populaire européen. Une décision qui n'a aucun lien avec celle de Dominique Bussereau, assure-t-elle. En moins de 2 heures, ce sont pourtant 2 personnalités picto-charentaises de poids qui quittent les Républicains. Beaucoup attendent désormais une réaction de Jean-Pierre Raffarin, mais l'ancien Premier ministre n'est pas du genre à réagir à chaud. Sauf que son influence sur la droite picto-charentaise pourrait avoir des conséquences sur le positionnement de nombreux élus, même si Olivier Chartier, le patron des Républicains de la Vienne, a décidé, lui, de ne pas bouger. Qu'en sera-t-il en revanche de Philippe Mouiller, sénateur des Deux-Sèvres, ou encore de Xavier Bonnefond, le maire d'Angoulême, proche d'Alain Juppé et ancien collaborateur d'Elisabeth Morin-Chartier? Des élus qu'il nous a été impossible de joindre dans la journée. Peut-être ont-ils opté pour la même stratégie que Virginie Calmels, dont la seule réaction suite à la polémique Wauquiez reste ce tweet étonnant « La parole est d'argent ». Et le silence est d'or, ce qui, avouons-le, arrange bien les choses.